En fait, on pense toujours à ce que l'on va gagner, mais on se rend pas compte de ce que l'on perd si jamais on passe pas à l'action. On n'est pas focus sur ce que l'on va perdre, en fait. Mais en fait, le fait de pas passer à l'action, ben, t'es en train de perdre de l'argent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, t'y coller déjà. Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il va falloir de l'oseille. Et oui les gars, on vit dans un monde où si t'as pas d'oseille, tu fais comment? À un moment donné, les gars, ils se disent, ouais, l'argent, c'est pas important. Ouais. Si c'est pas important, qu'est-ce qui est important alors? Je sais pas. C'est pas le plus important, mais c'est important. Bref, ta mon étude de cas que je te propose, tu lis de pouvoir y accéder, c'est gratuit, c'est offert. Ok, je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines avant de créer à l'arnaque. Jette un coup d'œil, hein. Je dis ça à chaque fois parce qu'un gars, une fois, il avait mis oh, arnaque, c'est même pas possible. Je dis, mais frère, t'as regardé? Je te montre le produit, comment j'ai vendu, etc. Ma chaîne, toutes les preuves sont disponibles online, comme disent les Américains. Et deuxième chose, tu connais Pirate Marketing où je te partage des stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Ça passera du jour au lendemain, mais si tu charbonnes, tu vas y arriver. Hein. En plus, j'ai ajouté à ça des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, comment créer ta première boutique en e-commerce. C'est des bonus complémentaires, ok? Pirate Marketing, c'est autre chose. Mais en plus de ça, tu as accès à ça. Et comment investir dans les cryptos? En plus de ça, tu as accès à l'incubateur. Donc, c'est encore une autre formation, si on peut dire ça, parce que l'incubateur, c'est plus du coaching, qui se greffe à ça aussi. Okay, et tu peux accéder à tout ça via ton CPF si jamais tu le souhaites. Donc tout ce que tu as à faire, si tu veux savoir plus par rapport à ça et à poser tes questions, tu cliques sur le lien dans la description, okay, prends un rendez-vous, le rendez-vous il est offert et tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, un membre qui va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça te correspond. Et après on fera le dossier avec toi, on aura les accès à Pirate Marketing et après il faudra charbonner, ce sera long, ce sera dur, ce sera plus long que prévu, etc. Voilà. Faut pas que tu dises, ouais mais il avait dit c'est du jour au lendemain, on appuie sur un bouton, on a de l'argent. Comme ça, ça tombe. Non, les gars, non. Ok, et pas d'excuses, les gars, je suis gradué en 91, j'ai redoublé mon BEP, trop technique, dans le quartier des pyramides, on a grandi. Et alors, arrêtez avec vos excuses et passons directement au sujet de la vidéo. Comment arrêter de mettre toujours les choses au lendemain? Comment arrêter de procrastiner? Ok, je vais vous parler en fait dans cette vidéo. J'ai eu l'idée quand je me suis levé, boum, boum, j'ai aucune note là. C'est on y va, on y va au feeling là, ok? Parce que j'y ai pensé, ah non, mais j'avais regardé une vidéo. C'est pour ça que ça m'a inspiré quand je regardais une vidéo. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le gars. Mais bon, il a fait 100 millions, il est connu. Hein. Il a fait 100 millions, je ne sais plus combien de temps. Et en fait, il parlait du coût d'opportunité, en fait. Le coût d'opportunité. Et c'est quoi le coût d'opportunité? On n'en parle pas souvent. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, va te permettre d'arrêter de procrastiner à chaque fois. Le coût d'opportunité, c'est le fait de ne pas être passé à l'action ou le fait d'avoir fait ce choix-là, qu'est-ce que tu vas perdre en faisant ce choix-là? Donc, ça peut être ou de ne pas être passé à l'action ou d'avoir choisi entre deux options. Par exemple, tu veux être un businessman, par exemple, mais tu vas passer 5 ans à faire des études, des longues études, par exemple, sur on ne sait pas quoi, on ne sait pas. Même si c'est dans le business, imaginons. OK? Bah, quel est le coût d'opportunité? Parce que si jamais tu choisis, bah, vas-y, je veux faire du business, autant je me lance dès maintenant. Alors, ce qui n'est pas forcément politiquement correct, les gens, tout le monde te dit, ouais, vas-y, fais des études. Si tu commences ton business dès maintenant, ok, t'imagines, ça te fera 5 ans, frère. 5 ans où tu charbonnes et tu travailles sur ton business, où tu vas prendre de l'expérience, ça fera 5 ans dans le domaine du business. Et après, forcément, tu vas monter ton business, il y a des erreurs qui vont se faire, tu vas tomber, tu vas te relever, tu connais déjà la chanson, hein. C'est pas du jour au lendemain. Plus tu échoues, plus tu vas réussir. C'est pas un bout de papier qu'on va te donner à la fin de tes études, t'as sans expérience. Peut-être les informations qu'on va te donner ne sont même pas à jour parce que les gens ne sont pas sur le terrain, les gens qui t'enseignent. Alors que là, tu es sous le terrain tous les jours, tu charbonnes, boum, 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 boum. Au bout de 5 ans, déjà, tu vis ton business, ça c'est sûr. Avec le business en ligne aujourd'hui, tu peux pas te rater. Je veux dire, même dans n'importe quel business, si jamais tu es focus sur un seul business, tu n'es pas en train d'être là sur un mode le syndrome de l'objet brillant. Si jamais tu n'es pas chaque année en train de changer de business, en train de changer de business model parce que tu penses que ce sera plus rapide en faisant l'e-commerce au lieu de faire YouTube ou un truc comme ça, c'est sûr que, ou vice versa, c'est sûr que oui, au bout de 5 ans, non, tu ne vivras toujours pas de ton business. Hein. Si tu fais un an de e-commerce, un an de YouTube, un an de bourse, de trading ou j'en sais rien, tout ce que tu veux, un an de crypto ou machin, tu t'éloignes dans tous les sens. Bon, crypto, tout ça, après, c'est pas vraiment du business. Alors, moi, tu peux faire du business, évidemment, sur la web 3.0, mais c'est plus des investissements. C'est voilà. Moi, je te parle vraiment créer un business. Comme ça, tu crées une source de revenus sur le long terme. OK? Eh ben, au bout de 5 ans, frère, tu vides ton business, tu gères du business. OK? Donc, le gars qui, par exemple, choisit de faire 5 ans d'études,
Quel est le coût d'opportunité qu'il va perdre en ayant commencé son business dès maintenant? Parce que quand il va faire ses 5 ans d'études, on va lui donner un papier, ok, super, mais il a toujours aucune expérience dans le business. Et après, tu vas dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec la procrastination? Ben, la procrastination, le coût d'opportunité, c'est si jamais tu passes pas à l'action dès aujourd'hui, quel est le coût d'opportunité? Tu vois, je parlais avec un des gars qui est dans la table ronde. Ok, ça, c'est mon programme d'élite, j'en parle pas trop. J'en parle pas trop parce que de toute façon, ça se passe bien avec les gens qui sont déjà là. Si tu veux rentrer, de toute façon, tu as le lien en description, tu peux poser ta candidature et on verra si jamais tu peux intégrer. Et en fait, j'ai vu, il a commencé une chaîne YouTube il y a peut-être 5 ans. Mais il a commencé les peut-être 2-3 vidéos. Mais après, pendant, je sais pas, peut-être 3 ans, j'oublie, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas précis sur les chiffres, mais peut-être 3 ans, 4 ans, il a arrêté de faire des vidéos. De toute façon, c'est simple, pour te dire, sa chaîne, il l'a commencé avant ma chaîne. Voilà. Ok, et sa chaîne, elle est petite parce que bah, il a arrêté en fait. Il a commencé, mais après, il a arrêté. Donc, le coût d'opportunité, c'est énorme. C'est tout ce que je peux te dire. C'est énorme. C'est, normalement, il aurait dû déjà être libre. Il vivrait de son business. Il serait à l'aise. Il serait bien. Il serait bien. Ok, parce que le coût d'opportunité seulement de générer du cash, mais le coût d'opportunité qu'il a perdu aussi de genre les relations qu'il aurait pu avoir, les opportunités, etc. Parce que moi, ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je vous dis, je kiffe YouTube. C'est pas juste le fait que ça me permet de générer du cash, c'est aussi bah, je peux rencontrer de nouvelles personnes qui vont me créer des nouvelles opportunités, qui ces opportunités vont me permettre de gagner encore de l'argent, etc. Tu vois. Donc si jamais tu veux essayer de hacker ton cerveau en mode ouais, vas-y, je remettrai demain, sache que une journée, frère, tu peux. Surtout si tu cumules les journées, parce que quand les gens disent « je remettrai à demain », enfin, « je ferai ça demain », on sait que c'est « je ferai ça jamais ». Ou c'est dans une semaine, dans un mois, dans deux mois ou dans un an. Je connais des gens qui ils me disent, j'avais eu en interview, ils me disaient « ouais, j'avais commencé le business pendant un an, après j'ai arrêté pendant un an et demi, après je suis revenu après, etc. » Et leur regret, c'est de ne pas avoir continué en fait. Donc j'ai trouvé que c'était un bon hack de se dire « ok, de penser au coût d'opportunité » parce que, en fait, on pense toujours à ce que l'on va gagner, mais on ne se rend pas compte de ce que l'on perd si jamais on passe pas à l'action. On n'est pas focus sur ce que l'on va perdre, en fait. Mais en fait, le fait de ne pas passer à l'action, ben, tu es en train de perdre de l'argent. Alors que nous, dans notre réflexion, on se dit, bon, vas-y, de toute façon, on a le temps, je perds rien, je gagne rien, de toute façon. Parce que je passe à l'action pour pouvoir gagner de l'argent. Mais si jamais tu passes pas à l'action, tu es en train de perdre de l'argent. Et tu es en train de perdre beaucoup plus que ce que tu penses. Parce que en plus de perdre de l'argent parce que tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas commencé par exemple ton premier business, etc. Tu perds aussi ce que je t'ai dit, les opportunités que ça peut t'offrir. J'ai un exemple avec un pote à moi, il voulait lancer son podcast. Okay. Donc il m'a dit, ouais, Joe, est-ce que tu peux être mon premier invité, etc. J'ai dit, normalement, je ne fais pas ça. Mais comme tu es mon gars, il n'y a pas de problème. Et lui, il était en mode, il veut faire un podcast à la Joe Rogan parce qu'il kiffe le concept de Joe Rogan, etc. Il dit ouais, pas de souci. Donc on commence à faire le podcast, etc. Et en fait, ça dévie rapidement. Au début, on devait partir un petit peu de, sur, je crois, d'un petit peu de tout, d'Andrew Tate, de je sais plus de quoi. Mais un truc un peu général, tu vois. Et ce qui s'est passé, en sachant que ça fait longtemps qu'il veut faire ce podcast-là. Ça fait longtemps qu'il veut se lancer. Ce qui me parle de ça, ça fait vraiment longtemps. Moins un an, je pense, si c'est pas plus. Et on commence le podcast, boum, on commence à parler. Et en fait, finalement, ça a vite dévié sur la musique, tu vois. Ça a vite dévié sur la musique parce que lui, il est musicien, on se connaît depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble dans la musique. C'est un musicien, il a déjà fait. Il est bon en musique, il a déjà fait ses preuves. Je veux dire, plus que ses preuves, il a déjà même sorti son album en groupe. On commence à parler de musique et tout, etc. Et notre expérience, du coup, on commence à partager notre expérience. Comment on a galéré, moi je dis comment j'ai galéré, les moments où j'ai eu honte, les moments où je me suis raté. Voilà, on a commencé à parler de la musique sur les difficultés de devenir bon et par quoi tu es obligé de passer et qu'est-ce que j'aurais changé si jamais je pouvais revenir en arrière, etc. Tu vois, déjà j'en ai déjà parlé sur la chaîne, que j'avais déjà dit, ouais, si je savais, je serais déjà revenu, j'aurais pris un prof de jazz plus tôt. Ok, après l'expérience sur scène, ça se fait sur scène. Donc on a commencé à parler de tout ça et les moments où vraiment je me suis affiché en public, je me suis raté de ouf, etc. Bref, donc on est vraiment parti en mode podcast sur la musique et tu sais quoi, à la fin du podcast, il m'a dit, mais gars, en fait, c'est ça que je veux faire. Il m'a dit, c'est ça que je veux faire, en fait. En fait, je parlais de musique, j'étais super à l'aise, je kiffais, etc. Et j'ai dit, bah ouais, surtout qu'en plus, tu connais tout le monde dans le milieu. Et tu connais tout le monde dans le milieu, t'as juste à passer un coup de fil, frère. Il m'a dit, ah ouais, je peux appeler trop des gens à l'ancienne, etc., des chanteurs R&B et tout. Il connaît tout le monde. Donc, il a juste à les appeler et parler de tout ça. Comme il y a plein de gars qui font ça sur YouTube en plus. Sauf que toi, tu as les contacts. Ils te connaissent et en plus, ils respectent ton travail parce qu'ils savent que tu es bon dans ce que tu fais. Et donc, du coup, tu vois, si jamais il n'était jamais passé à l'action,
il n'aurait jamais pu savoir, ah ben du coup, en fait, c'est ça que je veux faire. Parce que lui, il avait toujours dans l'idée, ah, moi, je vais faire un podcast à la Joe Rogan. Mais en fait, finalement, non. Quand il est passé à l'action, il s'est dit, ah non, en fait, je suis plus à l'aise, je préfère faire ça, en fait. En fait, j'ai envie de faire ça. Et il s'est aperçu, ben, en fait, ah ouais, c'est vrai que j'ai tous les contacts, je peux faire ça, mais je peux appeler tout le monde, normal. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu passes pas à l'action, il va rien se passer. Tu sais déjà. Et c'est surtout que quand tu passes à l'action, en fait, ça te fait rebondir sur des choses, ça te crée des opportunités, même que ça soit dans ton cerveau, où tu vois, ah, mais en fait, je préfère plus faire ça, et du coup, je vais pivoter là-dessus. C'est pour ça que tu peux commencer, genre, avec un blog. Tu vois, par exemple, je pense à Margot. Elle a commencé avec un blog. Après, elle a enchaîné, je crois qu'elle a fait du consulting, coaching, machin. Et puis maintenant, elle rachète des entreprises. Tu vois, mais si tu commences jamais, frère, où tu veux venir? Je peux prendre des exemples des rappeurs, parce que vous voyez tous les trucs, les gars, vous analysez pas, les gars, vous êtes pas alerte. Hein, regarde Jay-Z, il a commencé en vendant de la drogue. Bon, parce que son dernier couplet là sur God Did, il a dit, ouais, transforme la drogue en champagne. Et je dis, oui, effectivement, je n'incite pas à la drogue et je n'incite pas à la vente de drogue. Je dis, calme-toi. Non, mais tu vois, tu m'énerves. J'ai pas dit ça. Écoute ce que je dis. Je dis ce que Jay-Z a fait. Ok? Et il dit ça parce qu'il avait une entreprise de champagne qu'il a revendue, je sais plus à combien, au groupe LVMH, je crois. Tu me corrigeras si jamais je me trompe, je crois qu'il a vendu 50%, etc. Ce qui lui a permis d'être milliardaire. Bref, ça pour te dire qu'il a commencé, il a commencé en faisant du rap, mais c'était une dédicace par rapport à, j'oublie comment il s'en français, mais bon, en tout cas, la partie où il rappe, ok? Parce qu'il y a Lil Wayne dessus, il y a Rick Ross, ouais, ben c'est tout, je crois, sur ce son-là. God Did, il y a Rick Ross, Lil Wayne et Jay-Z. Rick Ross, cousin, je pense qu'il a dû transpirer, frère, il a dû réécrire son verset plusieurs fois. Il a dit hop, là il y a Jay-Z, il y a Lil Wayne, il devait transpirer. Bon, il est bon quand même, Rick Ross quand même. Bref, et donc du coup, Jay-Z il a commencé, rappeur, et ben voilà, c'est parce qu'il est passé à l'action, il s'est déchiré à être rappeur, boum, après il a commencé, il a dit bon, vous voulez pas me signer, ok, boum, je vais faire mon propre label, boum, il a fait son label, ah, il a dit vas-y, ben, je commence à faire une entreprise, boum, entreprise de champagne, ça n'a rien à voir. Toi tu le vois comme ça, tu vois la fin de l'histoire, tu dis oh, mais c'est logique, il a une entreprise de champagne, ça n'a rien à voir, frère. C'est un rappeur, ok? Après, il a continué, boum, boum, il a vendu son truc, il est milliardaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est, mais si tu commences pas, s'il avait même pas au moins commencé, c'est ça le problème avec les gens, c'est qu'ils voient tous des gros trucs, mais déjà, commence, fais un truc. Un truc qui t'intéresse, essaye, sois bon dans ce que tu fais, déjà dans le premier truc, et après, tu vas augmenter, tu vois? Après, tu vas augmenter. Moi, je commence avec des vidéos YouTube, après, voilà, j'ai aussi une boutique, mais je veux dire, après, au fur et à mesure, je passe à l'action, ça crée des opportunités, etc. Et j'ai pas fini, frère. Je suis qu'au début, là, les gars. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, les gars. Si vous pensez que je suis là, je suis un YouTuber, vous avez pas compris, les gars. En fait, mais plus tu passes à l'action, boum. En tout cas, tu fais ce que toi, t'as envie de faire. Mais ça, si tu commences jamais, les gars, tu t'es foutu. Donc, quel est le coût d'opportunité entre les gars qui ont commencé en même temps que moi, par exemple, quand j'étais à la même formation que moi, quand on a commencé, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui et où est-ce que je suis? Ou les gars qui voulaient plutôt acheter, voilà, c'est mieux ça. Les gens qui voulaient acheter, qui n'ont pas acheté, qui ont dit « Ah, vas-y, je ferai ça l'année prochaine ou je ferai ça dans 2 ans » et puis finalement, ils ne sont jamais passés à l'action. Regarde tout ce qu'ils ont perdu, gars. Regarde tout ce qu'ils ont perdu parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura motivé à arrêter de procrastiner. Ne procrastine jamais, frère, tu sais pas ce que ça peut. Tu vois, je le vois même quand, genre, j'ai voulu faire le Krav Maga, tu vois, j'ai hésité. J'ai dit, ah, mais est-ce que ça vaut le coup de faire le Krav Maga et tout. J'ai commencé, quand j'ai fait Krav Maga, quand j'avais 33, je crois, un truc comme ça. Bref, bon, c'est pas important, mais j'ai dit, ah, vas-y, c'est à mon âge, je vais pas aller me battre et tout, etc. Après, j'ai dit, vas-y, commence quand même, tu vois. Bah heureusement, j'ai fait. Voilà, aujourd'hui, bah voilà, j'ai des réflexes. Voilà, si jamais il faut faire un truc de bonne façon, honnêtement, je pense que je vais me battre. À un moment donné, ça sert à rien, tu vois. Prendre des risques, tu sais jamais. Même si t'es technique, etc., déjà dans la rue, tu peux toujours prendre un truc qui est pas, qui est pas conforme à ce qu'on t'a appris. T'as toujours, c'est la rue, frère. Le gars, il peut te faire un truc comme ça, frère. Tu t'es là. Mais c'est quoi? C'est un direct? C'est un crochet? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Tu vois, tu sais jamais. Donc ça sert à rien. C'est vraiment utiliser vraiment en cas de danger extrême où vraiment tu n'as pas le choix. Tu vois, le gars il veut vraiment te tuer alors que tu étais là, tu marchais tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Tu marchais tranquillement à Brickell et les gars ils veulent te tuer. C'est rare quand même. Mais bon, le gars veut vraiment te tuer. Mais si jamais il veut mon argent, ben, prends mon gars. Tu sais jamais, le gars il a peut-être perdu sa meuf, il est en dépression, il veut mourir de toute façon. Et un gars face à toi, qui est prêt à mourir, ça sert à rien de se battre avec lui. Même si t'as toutes les techniques, frère. Bref, je sais même plus pourquoi je te dis ça. Qu'est-ce que je disais?
Ouais, donc tout ça pour te dire que bah, du coup, ça aurait, si j'avais pas commencé, bah, j'aurais pas eu l'expérience que j'ai là maintenant. Bon, alors tu me diras, le truc de combat, bon, pour l'instant, je vois pas trop ce que ça va me servir pour pouvoir faire de l'oseille. Mais on sait jamais, imagine là dans un an, genre un gars qui voulait me tuer et genre. Je le retourne comme ça, clac, 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 clac. Ah, tu vois, au dernier moment, parce que j'avais pas le choix. Et là, tu te seras dit, heureusement que j'avais pas dit, vas-y, je commencerai l'année prochaine. Bon, tu comprends ce que je veux dire. L'analogie n'est pas, c'est pas la meilleure. En termes de Zeyo, par contre, l'analogie, elle est énorme. Tu vois, toute l'expérience que j'ai accumulée là maintenant, que ce soit en marketing, que ce soit en vente, que ce soit en réseaux sociaux, que ce soit en management d'équipe, etc. Je peux arriver aux States. Imaginons, je sais pas, moi, si je veux être consultant d'une entreprise, boum, je peux l'être. J'ai l'expérience. Voilà. Et si jamais t'es jamais passé à l'action, tous les gens qui étaient en même temps que moi, qui n'ont rien fait, bah, aujourd'hui, ils sont voilà, les gars. Donc, bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Ok, c'est une vidéo que j'aurais bien aimé voir aussi. Parce que des fois, on repousse trop, on réfléchit trop pour rien, en fait. Et alors que c'est dans l'action, moi, je pense, dans l'action, tu réfléchis. Action, après, tu réfléchis. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et sinon, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description, tu le sais. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. J'ai ton camp.